Eh oui, bonjour à tous, bonjour. Bah, je peux vous dire que ma course, bon, ça a très bien passé parce que je me suis fait un peu enflammer par rapport au départ. J'étais un peu plus loin et il y avait beaucoup de vide devant. Je me suis fait enfermer. Après, il y a eu une chute et ça a un peu coincé tout le monde. Sauf que je ne sais pas où j'étais parce que j'étais très très loin par rapport au mec et par rapport à Didier. Et une autre fille avec Christelle Gondet, je savais que je devais battre puis Didier. Alors pendant toute la course j'ai en chié parce que j'ai dépassé Sébastien et puis j'ai rattrapé des mecs de nos gens, Oscar qui s'est reconnu, qui s'était battu, plus des autres gars des autres gars que je connais pas aussi qui j'ai battu, un autre gars de Facebook aussi, les amis de Facebook que je n'ai pas tous battu mais quelques-uns que j'ai battu. Plus après le deuxième tour, j'ai suivi Didier, j'ai réussi à accrocher, puis après le wagon, il y a eu beaucoup de filles à côté. Des internationaux, eh oui, il y avait une russe, une kenyane, et moi j'étais bloqué entre ces trois, quatre, ces deux filles, puis d'autres filles devant. Alors, on savait pas où jouer, qui devait me suivre. Et après, encore vers la deuxième, j'ai rencontré un petit Nogenté, et eh oui, un petit Nicolas, petit Nogenté, que je l'ai vu faire le clignotant rouge, mais son petit clignotant, il m'a fait passe, passe, passe. Je passais devant lui, puis coucou, et je suis parti. Et après, Didier, il a cru qu'il allait se barrer sans moi, bah, parce qu'il suivait Christelle le lendemain, et puis moi, j'étais à l'arrière en train de le chercher. Mais vers le troisième tour, vers la côte, j'ai vu qu'il commençait à flancher, et puis j'ai attendu que je remonte la côte pour la rattraper, pour lui mettre la petite fessée. Et hop, je suis passé là, des zones envers le gymnase, hop, j'ai mis la troisième. Il a mis la quatrième, il a pas réussi. Il voulait me suivre, mais il a pas tenu. Puis après, d'un moment, j'avais que Christelle, que elle devant moi. Je voulais la choper parce que je l'ai battue l'autre fois. Alors j'ai essayé d'accrocher, elle m'a pas tendu. J'ai pas mis mon ticket pour que je passe. Un ticket, hop. Et puis après, elle m'a mis 50 mètres d'avance, et puis j'ai essayé de la remonter. Petit à petit, j'ai essayé de la remonter, puis il y a des gars qui l'ont poussé pour qu'elle accélère. Elle a accéléré. Et moi, je me suis fait avoir. Et vers la fin, elle a mis le turbo, puis moi derrière, j'étais en train de ramer. Tu vas chercher la fille. Puis à la fin, elle m'a mis 50 mètres d'avance, comme j'ai mis la dernière fois. Puis elle a fait 33-17, moi j'ai fait 33-21, puis pas bien. Mais un coup de fatigue, parce que le problème, c'est que je suis un peu fatigué. Parce que j'ai le transport, il y avait grève, il s'est arrêté à Nanterre, moi je suis descendu à Nanterre et j'étais paumé. Et j'ai cherché l'endroit pour aller vers Rouille. Je suis parti de Chaton, après j'étais à la Combrousse, j'ai marché, puis après d'un coup j'ai dit bon je vais courir, bah, je suis parti courir jusqu'à Rouille pour courir, et j'ai réussi à trouver la route, je pense que j'ai fait 3 km en courant, et je suis arrivé là-bas, il était 13h44, j'étais mort. Puis, caput, plus de jeu, rien du tout, même pas d'acteur qui avait plus de jambes. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'étais cuit, même au départ. Je vais me venger pour l'année prochaine parce que Didier il se prépare bien, il est en forme et il va essayer de me battre, comme tous les mecs de nos gens qui veulent essayer de me battre tous maintenant, parce qu'ils ont pris un peu d'avance maintenant, ils ont progressé. Sauf un que je dis rien, il a progressé, je dis rien. C'est Sébastien Mani, c'est ça? Je sais plus son nom. Petit Nogenté, bah oui, on se bat du tout, on se bagarrait, mais pff, il a pris d'avance. Bon, bah, je ferai peut-être une autre course, mais je ferai le semi de jambes, cherche, hein, cherche, semi. Cher, t'as pas intérêt de me foutre de ma gueule parce que j'ai battu Didier et Christian m'a battu. Voilà, t'es content? T'as pas intérêt parce que sinon je te connais, cherche, cherche, il est capable de me foutre de ma gueule. Voilà, t'es content, cherche, hein, souris bien, cher, parce que tu ne pourras pas sourire bientôt. Bon, on se retrouve à tous au département où je choisis, puis le reste, je choisis aussi les mecs du 93, tout ça, et l'IFA. Tout le monde va avoir la fessée. Obligatoire d'aller au championnat de France. Mais comme j'ai dit, il faut que je me prépare parce que sinon je serai un peu cuit. Voilà. Bon, je vous dis tous à la prochaine et puis bonne année tout le monde. Et puis je mettrai les vidéos. Si vous voyez cette vidéo-là, c'est que je l'ai mis vendredi parce que je travaillais. Voilà, j'ai pas eu le temps de tout mettre. Et les photos. Ah ouais, pour les photos de Houille, ceux qui savent c'est quoi le site pour choper les photos de Houille, ils peuvent me l'envoyer parce que je ne sais pas, j'ai cherché partout, je ne trouve pas. Voilà, ceux qui savent pas, c'est pas grave. Bon, à plus, le mec qui va se faire chier, bien sûr. Au revoir, le mec qui tue Didier. Ouais, Chafik, oh shit!